Bonjour et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous allons voir ce qu'est la vraie repentance. Et oui, parce qu'on peut se repentir du bout des lèvres, mais on va voir que la vraie repentance est la repentance du cœur. Vous allez bien ? Très bien, Evelyne, et toi ? Ça va bien. Ça va très bien, ça va très bien. Aujourd'hui, ça va être un thème un peu plus sérieux, mais je suis sûre qu'on va trouver occasion à rire, puisqu'on rit hier, tout le temps. Hier, c'était pas sérieux ? Bah hier, si, si, c'était sérieux, mais c'était très rapide hier. Hein. Parce que c'était bon. C'était très, très bon. Si vous n'avez pas vu l'émission d'hier, c'était très, très bon. Michael a apporté plein de bons points, mais il avait peu de temps, donc comme ça a d'habitude. Été comme d'habitude. C'est riche, c'est très riche, c'est très riche, mais c'était extrêmement édifiant et je vous invite à aller l'écouter au ralenti peut-être. Mais aujourd'hui, on va parler de la vraie repentance parce que je crois vraiment que les chrétiens ont besoin parfois de comprendre réellement ce qu'est la repentance, comment fonctionne la repentance et surtout le changement que ça implique après la repentance. Il y a un avant, il y a un après et on va en parler aujourd'hui. C'est un thème très très important parce qu'on ne joue pas avec Dieu, on a un Dieu saint et il exige que nous aussi nous soyons saints. Et Nadine, tu vas faire une rubrique famille tout à l'heure, aussi assez sérieuse quand même. Très sérieuse, mais je suis sûre qu'elle serait très bénissante. En tout cas, si les personnes mettent en pratique les choses qu'on va partager, ça va vraiment aider. Je parlais de l'importance de demander pardon, apprendre à demander pardon pour le bien de sa famille. Et c'est hyper important parce qu'il y a des familles qui sont déchirées simplement parce que quelqu'un a refusé un jour de s'humilier et de demander pardon. C'est un thème très très important, donc on vous invite à rester vraiment connecté puis à être concentré. Peut-être que vous êtes en train de faire quelque chose, mais peut-être arrêtez ce que vous êtes en train de faire, prenez le temps de bien écouter et surtout demandez au Saint-Esprit de vous parler dans cette émission parce que je crois qu'il a quelque chose pour vous à vous transmettre aujourd'hui dans cette émission. Et Frank, on va commencer tout de suite avec toi à ce thème sur la repentance dans la pensée du jour. La repentance, c'est pas un thème qui attire tout le monde, mais c'est un thème qui est très important. Et on va regarder ensemble quelqu'un qui a passé par une véritable repentance dans le psaume 51, au verset 2. La parole dit, c'est David ici qui a composé un psaume, qu'il composa lorsque le prophète Nathan vint chez lui après qu'il ait péché avec Bathsheba. « Aie pitié de moi, ô Dieu, toi qui es si bon, efface mes torts si tu es compatissant, lave-moi de mon péché, purifie-moi de ma faute, car je reconnais mes torts, la pensée de mon péché me poursuit sans cesse. » Waouh! Là, tu vois ici David qui a commis le péché, vous connaissez l'histoire, et puis il se repent devant Dieu. En fait, il y a même deux psaumes, deux chapitres où ce qu'on voit David se repentir par rapport à ce qu'il a fait, ce qu'il a commis. Mais là, je veux pousser la chose plus loin, parce que beaucoup vont pleurer, beaucoup vont dire « Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi », mais le lendemain, ils le refont. Et voilà la différence. Et là, je ne parle pas de David ici, je parle en grande majorité. Et en fait, le mot « repentance » dans le Nouveau Testament, pour nous, quand on lit la parole et on voit Jésus en parler, on voit Paul ou autres qui vont citer le mot « repentance » ou « repentant », c'est le mot qui, en grec, est « métanoïa ». Ça parle d'un changement de mentalité ou d'intention dans nos actions, intention de faire. C'est une tristesse qu'on éprouve de ses péchés et la douleur d'avoir offensé Dieu. Là où est-ce que je veux vous apporter aujourd'hui, c'est que la repentance, la vraie repentance, lorsqu'elle va être là, lorsqu'elle va se manifester. Moi, pour moi, un jour, c'est arrivé où est-ce que j'avais fait quelque chose qui avait déplu à Dieu et puis je me suis dit, waouh! C'est assez. J'ai déjà demandé pardon plein de fois pour cette chose, mais là, je dois arrêter de faire cette chose, que ce soit du murmure, que ce soit peu importe le mot que vous voulez ou la chose que c'est, vous devez dire non, là, c'est fini. J'accepte et je veux être repentant, je veux transformer ma façon de penser qui va par la suite automatiquement toucher ou affecter la façon dans laquelle que je vais même agir ou parler par la suite. Une métanoïa, une transformation de mentalité va bousculer la façon dans laquelle tu vas vivre et c'est ce qu'on doit vivre. Meilleur exemple, dans Luc chapitre 19, les versets 8 à 10, l'histoire de Zachée. Zachée,
qui était un petit homme, comme nous dit la chanson qu'on chante aux enfants, il voulait voir Jésus. Il a monté dans ce sycomore, il voit Jésus arriver, Jésus regarde vers lui, le fait descendre, lui dit « Je vais manger avec toi ». Waouh, Zachée, soudainement, il dit « Mais moi », il savait qu'il était un voleur, il dit « Mais je suis... » Dans sa tête, il devait se dire « Mais je suis un voleur, je suis... » Et il se retrouve, c'est tellement intéressant, il se retrouve dans la présence du Seigneur, il descend de cet arbre et les gens regardent autour, ils murmuraient « Mais c'est terrible cet homme, pourquoi est-ce qu'il veut être avec lui ?» Et là, il se retrouve dans la présence du Seigneur et ça nous dit qu'il a ouvert la bouche. Et regardez qu'est-ce qu'il a dit, c'est tellement fort. Juste le fait d'avoir été dans la présence de Jésus a bousculé, a fait qu'il a eu une repentance qui s'est manifestée. Il nous dit au verset 8, « Mais Zachée se présenta devant le Seigneur et lui dit, « Écoute, maître, je donne la moitié de mes biens aux pauvres. » Et si j'ai trop d'argent, si je dois trop d'argent et j'ai pris trop d'argent à quelqu'un, je lui rends 4 fois plus. Jésus lui dit alors, aujourd'hui le salut est entré dans cette maison. Alléluia. Parce que cet homme est lui aussi un fils d'Abraham. Car le fils de l'homme est venu chercher et amener au salut ceux qui étaient perdus. T'imagines comment c'est fou, les gens ne devaient même pas une seconde s'attendre à une telle réaction de Zachée. Il dit, mais Seigneur, il est juste devant lui et c'est comme ça pour vous. Vous êtes chez vous, vous avez fait quelque chose, vous avez mal parlé à votre mari, votre femme et c'est récurrent, c'est comme ça. Vous traitez mal vos enfants, vous écoutez toutes sortes de choses que vous ne devriez pas. Et là, soudainement, la présence de Dieu vient et vous vous dites, « Wow, Seigneur, la sainteté de Dieu est là. La seigneurie de Dieu se manifeste. » Et là, c'est comme, « Je ne peux plus jouer avec ça. » Et les gens ont dû tellement être étonnés de la réaction de Zachée. Ils ont dû se dire, « Mais comment c'est possible qu'une personne agit ou dit ces choses qui étaient tellement voleurs ?» Et ça, c'est la véritable repentance. Dire, « Seigneur, je te demande pardon, comme David le fait. S'il te plaît, efface, éloigne de moi mon péché. » Mais aujourd'hui, je veux vivre cette transformation. Je veux que le métanoïa se manifeste, se passe dans ma vie parce que je ne veux plus rester la même personne. Ça, c'est la vraie repentance. On est appelé à vivre ça. Ce n'est pas le sujet le plus populaire, mais c'est tellement important, tellement important. Soyez bénis, que Dieu vous aide dans ce que vous avez à faire. Amen. Frank, tu l'as dit, ce n'est pas un sujet populaire. Ce n'est pas un thème à clic. Et peut-être certains d'entre vous, vous n'aviez même pas envie de cliquer sur cette émission juste à cause du titre. Et c'est là qu'on voit qu'il y a un problème. Parce qu'en réalité, en tant qu'enfant de Dieu, on devrait courir derrière ce genre de thème. Parce qu'on sait à quel point la repentance est la chose qui va nous qualifier pour aller devant le trône de Dieu ou non. La repentance n'est pas une option dans la vie du chrétien. Et on prend l'exemple de Zachée dont tu as parlé. Zachée est dans la présence de Jésus. Sa sainteté est tellement grande et l'impact au point où il est lui-même transformé. Il ne peut pas faire autre chose. Il est sous une conviction de péché. Il est saisi par le Saint-Esprit et il est prêt à donner tout ce qu'il a finalement. Et qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que quand Jésus sort de sa maison et continue d'aller de ville en ville prêcher la bonne nouvelle de l'évangile, est-ce que Zachée recommence à aller voler les gens, recommence à prendre aux plus faibles ? C'est pas ça la repentance, c'est une transformation de vie comme tu l'as dit. Et certains d'entre vous, vous avez connu l'évangile, on vous a prêché la bonne nouvelle de l'évangile, vous avez été saisi comme Zachée et vous vous êtes repenti, vous avez décidé de changer de vie et les mois, les années ont passé et petit à petit vous vous êtes refroidi et vous êtes devenu tiède. Et aujourd'hui, c'est le jour où vous dites non, non, je ne peux pas rester tiède, je redeviens bouillant pour le Seigneur. Bouillant, bouillant, bouillant. Et je veux chauffer, tellement chauffer que le péché ne pourra plus rester en moi, il n'y aura plus la possibilité de rester. Notre verset du jour est tellement important. Matthieu 3, 8. Produisez donc du fruit qui confirme votre changement d'attitude. Vous pouvez aller lire dans plusieurs versions. On a volontairement pris une version différente de celle que vous connaissez pour que vous compreniez. C'est un changement d'attitude, mais ça doit se voir de l'extérieur. Oui, quand Jean-Baptiste est en train de dire cette fameuse phrase « Produisez du fruit digne de repentance », ça c'est la version qu'on connaît bien, qui confirme votre changement d'attitude. Et c'est ce que Franck a dit, des fois, on reste dans une repentance qui est superficielle et on se prive en fait. On se prive d'aller plus loin. Il y a des gens qui se disent « Mais pourquoi ma vie ne décolle pas ? Pourquoi il y a telle chose qui ne se passe pas ?» Mais toi-même, tu es comme au seuil de la porte de la présence de Dieu. Tu ne vas pas plus loin parce que ta repentance reste une repentance des lèvres. Et tu te dis « Ben non, le péché est trop fort ou bien cette action est trop forte sur moi. » Mais non, si toi, aujourd'hui, tu prends cette décision vraiment
elle, qu'elle vient de l'intérieur de toi, cette ferme résolution de non, je ne marcherai pas dans ces choses. Et Seigneur, aide-moi et Dieu va t'aider. Et je me dis, David aurait pu avoir cette attitude de dire, ben, de toute façon, je suis roi, qui va me reprendre? Mm-hmm. Mais il savait qu'au-dessus de lui, il y avait Dieu. Et il y a ça, en fait, des fois, il y a des personnes, vous êtes peut-être dans une position d'autorité, peut-être c'est toi le chef de famille, peut-être c'est toi le chef d'entreprise. Et quelque part, il n'y a personne qui va te remettre en question. Mais il y a Dieu qui te voit dans le secret. Et lorsqu'on parle de la repentance, lorsqu'on parle de ce changement radical, il doit se produire parce qu'on se prive non seulement des bienfaits de Dieu dans notre vie présente, mais dans la vie à venir. Mm-hmm. Si pendant toute ta vie chrétienne, c'était une vie de mensonges et d'apparence, ben qu'est-ce qui t'attend dans l'éternité en fait? Donc c'est vraiment un sujet super important. Vraiment. Et non seulement ça, mais en fait, le fait de ne pas avancer et de se soumettre à ce que l'Esprit de Dieu veut faire dans notre vie, ça nous maintient dans l'esclavage du péché. Tellement. Et c'est affreux. Combien de fois on a fait des émissions, vous le savez, pour être libre, libéré du péché et de sa puissance. On sait, Jésus a tout accompli. Mais je vous le dis, beaucoup d'entre vous, vous êtes là et vous souffrez semaine après semaine dans les mêmes trucs. Mais en fait, tout ce qu'il faut, c'est une repentance. Il va y avoir un coût associé. Il va y avoir des conséquences bonnes ou mauvaises, je vais le dire comme ça, associées à une repentance. Bonnes ou mauvaises, pourquoi? C'est parce que tu vas changer ta façon de faire. Zaché, pour lui, il y avait des gens avec qui certainement il collaborait, il y avait peut-être des gens qu'il payait, que lui payait pour travailler, et soudainement, il dit « Non, moi, je vais être honnête. » Ben, ces gens-là vont être énervés, hein, parce qu'ils roulaient leur vie et leurs finances sur ta malhonnêteté. Et là, il va y avoir des conséquences et il faut les assumer. Et ça, je vais vous encourager, assumez la conséquence qu'il va y avoir. Peut-être c'est dans votre famille, on va parler du pardon dans la famille, mais il faut qu'il y ait, et on doit assumer ce qu'on va faire quand on va vivre cette repentance, parce que ça va y avoir des dégâts, entre guillemets, mais pour vous, ça va juste être du plus. Autour, les gens comprendront pas tous. Ils vont dire, ben non, c'est notre façon de faire, on a toujours été comme ça. Pourquoi? Tu vas avoir des gens qui vont se mettre à dos contre toi et tu vas dire, mais Seigneur, c'est ça que ça produit. Non, mais le Seigneur sait ce qu'il fait. Et vaut mieux que tu sois dans la droiture, que tu sois en paix avec Dieu, que tu sois libre du péché et que tu perdes des relations et que tu perdes certaines choses qui pourraient te sembler payantes présentement, que de vivre dans ces choses, mais que dans l'éternité future, ça soit une catastrophe pour toi. Oui, vraiment. Il n'y a pas une fois où on parle de ce sujet où à l'intérieur de moi, je n'ai pas toujours cette espèce d'urgence en moi qui brûle, qui dit « il faut leur dire parce que le temps est court ». Hé les amis, le temps est court. Jésus revient vraiment bientôt. Dans quel état voulez-vous qu'il vous retrouve? Une mariée à une robe blanche, une mariée avec une robe toute tachée. Vous avez déjà vu ça arriver devant l'autel, retrouver son époux avec une robe déchirée, une robe tachée? C'est impossible. Le mari va dire « Mais ma chérie, qu'est-ce qui t'arrive? C'est pas toi que c'est pas la robe que tu devais porter. Tu devais porter une belle robe blanche. On l'a achetée ensemble. » Jésus nous a préparé cette magnifique robe blanche immaculée, sans aucune tache. Dans quel état voulez-vous vous présenter devant Dieu quand Jésus va revenir vous chercher? Posez-vous la question, vraiment. Dernièrement, j'ai pris le temps, j'ai lu le psaume 119 au complet, il est long. Et David, oui, il est long, mais David, dans ce psaume-là, nous partage exactement le genre de prière qu'on devrait faire. Il partage combien c'est important. Il dit, malgré tout ce que les autres font contre moi, il avait tellement d'ennemis, il avait tellement d'occasions de chuter. David, en tant que roi, il pouvait faire ce qu'il voulait. Ouais. Personne n'allait lui dire, non, on ne fait pas ça. Ouais. Non, votre majesté, vous ne pouvez pas. Non, il pouvait faire tout ce qu'il voulait. Et dans ce psaume, il dit, je veux rester attaché à ta loi. Ta loi est tellement bonne. Je veux qu'elle habite en moi. Je veux demeurer dans ta présence. Je ne veux pas m'éloigner de toi. Je ne veux pas pécher contre toi. Et dans tout ce psaume, en fait, il ne parle que de ça. Je vous invite à la maison, prenez ce psaume et lisez-le comme une prière que vous faites à Dieu. Vraiment, appropriez-vous les paroles de David et dites « Seigneur, je ne veux pas pécher contre toi, je veux que tu me trouves parfaitement pur, parfaitement sanctifié quand tu vas revenir me chercher. Je désire ardemment rester sanctifié. » C'est tellement, tellement important. Ne jouez pas avec le feu. Vous ne savez ni l'heure ni le jour. Jésus va venir vous rechercher, mais peut-être que vous allez aller le rejoindre avant qu'il revienne. Vous ne savez pas de quoi demain est fait, de quoi la minute prochaine est faite. Vous avez l'occasion aujourd'hui de mettre votre vie en règle devant Dieu. Ne plaisantez pas avec ça. Et peut-être certains d'entre vous, dans votre famille, il y a des choses qui doivent être réglées, il y a des choses qui doivent être dites. Et comme l'a dit Frank, il y aura peut-être des conséquences négatives, effectivement, mais il y aura des conséquences surtout positives, parce que même si vous allez peut-être trouver ça dur,
dur sur le coup. Dieu a le meilleur pour vous en réserve et Nadine va nous en parler dans la rubrique famille. Alors Yveline, aujourd'hui on parle du pardon dans la famille et on partageait ensemble, et je vais le dire, par rapport à ça, parce que des fois quand on pense à David et Jonathan, je donne un exemple différent, mm-hmm. on pense à l'amitié, on pense toujours que oh, je suis David et j'aimerais avoir un Jonathan, j'aimerais avoir quelqu'un qui me sert, quelqu'un qui croit en moi, etc. Quelqu'un qui a un amour désintéressé, etc. Et des fois, c'est rare que les gens vont se mettre dans la position de Jonathan. J'aimerais servir quelqu'un, j'aimerais croire dans la vision de quelqu'un, j'aimerais semer dans la vie de quelqu'un. Et aujourd'hui, je veux appeler les personnes à se mettre dans cette position-là. Quand on parle du pardon, on parle évidemment d'apprendre à pardonner et de relâcher les gens, mais j'ai envie de parler aux personnes qui savent, alors qu'on parle de repentance, que dans leur cœur, le Saint-Esprit a ramené plusieurs fois des occasions où est-ce qu'ils savent qu'ils ont mal fait, ils savent qu'ils ont blessé, ils savent qu'ils ont dit quelque chose, ils savent, mais ils ne vont pas demander pardon. Et c'est vraiment cette repentance dont on va parler dans la famille, parce que vraiment, le pardon, demander pardon, apprendre à demander pardon, parce que c'est un apprentissage, c'est un désir de dire non, je veux marcher dans les voies de Dieu, comme David le dit dans ce psaume, je veux honorer le Seigneur, je vais apprendre, je vais laisser de côté mon orgueil, je vais laisser de côté ma chair, je veux dominer ma chair, je vais apprendre à pardonner parce que ça va faire du bien à ma famille. Alors, ma prière, vraiment, que vos cœurs soient ouverts par rapport à ce passage et que vous soyez cette personne qui va aller demander pardon. Et donc, on va lire dans la Genèse 32, versets 18 à 21, c'est l'histoire de Jacob. On connaît l'histoire que lorsque Jacob a volé le droit d'aînesse, il part chez Laban, son oncle, et il était supposé aller quelques mois. Normalement, sa mère lui a dit, vas-y, quelques temps, le temps que ton frère se calme. Mais les quelques mois se sont transformés en 20 ans. Et donc, alors qu'il est sur le chemin du retour, il fait ce geste où est-ce qu'il sent, il entend dire que son frère vient vers lui avec 400 hommes. Et il prend peur et il envoie des cadeaux. Il dit ici au verset 32, il donna cet ordre au premier, donc à son serviteur. « Quand mon frère Ésaü te rencontrera et te demandera à qui es-tu, où vas-tu, à qui appartient ce troupeau devant toi ?» Tu répondras à ton serviteur Jacob. C'est un cadeau envoyé à mon seigneur Ésaü. Le voici qui vient lui-même derrière nous. Il donna le même ordre au deuxième, au troisième et à tous ceux qui suivaient le troupeau. C'est ce message que vous transmettrez à mon seigneur Ésaü quand vous le rencontrerez. Vous annoncerez aussi, ton serviteur Jacob vient derrière nous. Il se disait en effet, je l'apaiserai par ce cadeau qui me précède. Ensuite, je le verrai en face et peut-être m'accueillera-t-il favorablement. Et donc, ce que je trouve vraiment profond dans ce verset, c'est que Jacob fait ce geste de pardon, en fait, envers son frère Ésaü. Il aurait pu dire, tu sais quoi, de toute façon, ma mère, dans le ventre, elle avait déjà eu la prophétie que j'allais être celui qui allait dominer. Il aurait pu se justifier, mais de toute façon, le droit d'aînesse, tu me l'avais donné avec la soupe. Il aurait pu dire, mais Jacob a cette attitude de dire, je vais te donner ce cadeau, je vais te demander pardon. Et ça, c'est vraiment un point important. Lorsqu'on parle du pardon dans la famille, le pardon donne un nouveau départ à notre famille. Le pardon, c'est pas juste régler des anciens comptes, mais le pardon, c'est vraiment de dire, peut-être que dans ta famille en ce moment, il n'y a pas besoin de plus de réunions de famille, il y a juste besoin de plus de pardon. Il y a juste besoin de quelqu'un qui va dire, je vais demander pardon au lieu de rester sur ma position. Ouais. Et ça fait toute la différence. Ça donne un nouveau départ. Ça donne une insufflation nouvelle. Tu sais, Jacob aurait pu se dire, tu sais, comment je vais aller à gauche, je vais aller à droite. Et peut-être après, c'est ça qui s'est passé. Mm-hmm. Mais sur le coup, il a demandé pardon à son frère. Il ne s'est pas dit, je vais aller dans un autre territoire. Non, je veux retourner dans mon pays. Je vais rencontrer mon frère et je veux lui demander pardon. Ouais. Et donc, qu'est-ce qui est fort dans les familles? C'est quand il y en a un qui s'humilie, ça l'ouvre la porte pour tous les autres. Mais oui, ça ferme c'est la bouche. C'est tellement fort. Parce qu'il y en a un, il dit, waouh, lui, il était capable, je vais le faire aussi. Ah oui, ça inspire. Ouais. Ça inspire. Et quand c'est ça aussi important d'être conduit par Dieu, parce que tu parlais de... quand la repentance, elle est sincère, le Saint-Esprit descend sur nous, on va demander pardon. Des fois, tu te dis, par où je vais commencer, je ne sais pas. Tu t'es gêné, tu hésites. Mais en le faisant, Dieu ouvre, en fait. Et c'est comme si l'autre personne... C'est comme si elle attendait que ça. Et tu pensais qu'elle avait des appréhensions. Jacob se disait peut-être, ah, mon frère et tout. Ouais. Mais
son frère le prend dans les bras et dit, écoute, non, j'ai pas besoin de tout ça. Mmh. Et tu vois qu'il y a cette restauration, ouais. cette réconciliation qui était quasiment impossible ouais. aux yeux des hommes. Et vraiment, j'ai envie de dire aussi que demander pardon, ça, on demande pardon même si l'offense date de longtemps. Oui. Le temps n'efface pas. Le temps va archiver les offenses. Et dans les familles, il y a beaucoup de personnes qui ont des offenses archivées, qui sont dossier numéro 2002, dossier 2016, dossier 98. Et qui sont en train de pourrir dans le tiroir. Exactement. Ouais. Et vraiment, des fois, quand on a cette conscience d'une offense qu'on a faite, d'une chose qu'on a dit, de quelque chose qu'on a fait, de dire je reconnais les événements, je reconnais que j'ai fait ceci, je reconnais que j'ai parlé et j'ai parlé plus que ma pensée, ou j'ai dit ce que je pensais, mais j'avais une immaturité à l'époque et ça t'a blessé. Et vraiment, ce n'est pas ressasser les problèmes, ce n'est pas rouvrir des anciens tiroirs quand on dit je sais que je t'ai offensé. On continue à marcher et peut-être toi, tu as choisi de me libérer, t'as grandi dans ta marche avec Dieu et tout ça, mais moi, je sais que j'étais offensée et ce n'est pas ressasser que de dire hey, tu sais ce qui s'était passé, je te demande pardon. Ouais. Et ça, c'est super important, ça va vraiment aider. Il y a beaucoup de familles qui vivent avec des choses enterrées et c'est une mentalité de show must go on. On continue. Et en fait, vous le savez pourquoi? Parce qu'à chaque temps qu'il y a un rassemblement, quand c'est les fêtes de fin d'année, quand il y a un mariage ou un enterrement ou quelque chose qu'il faut que vous revoyez la personne, tout le monde y va, reculons, et puis on a hâte que ça finisse pour qu'on puisse partir. C'est terrible. C'est terrible. Mais la repentance est là, et c'est important aujourd'hui de libérer votre famille en demandant pardon. Et j'ai envie de parler aussi du pardon des parents envers leurs enfants. Parce que oui, un parent peut demander pardon à son enfant. Je sais que des fois, par caractère, par culture, ou peu importe, il y a des papas qui vont se dire, ben non, je ne peux pas demander pardon à ma petite fille, ou des mamans, etc. Et pourtant, c'est hyper important. Et lorsqu'on demande pardon, même à l'enfant, là, je parle à l'enfant qui est enfant, pas à l'enfant adulte, c'est qu'on valorise le sentiment de l'enfant. On valorise l'enfant. Quand je sais que j'étais punie de façon injuste, que je n'avais pas tous les éléments, je pensais que c'est toi qui avais cassé telle chose, et j'étais punie, et que finalement, je me rends compte que ce n'est pas ça, et que je te demande pardon à toi, l'enfant de 6 ans, je te montre que tes sentiments sont importants, que tu as de la valeur, que je peux, moi, l'adulte, te demander pardon. Ouais. Et ça, c'est super important dans le développement de cet enfant-là plus tard. Mais même à l'âge adulte, lorsqu'on a offensé nos enfants adultes, qu'on ne se contente pas sur notre position de « je suis le parent », qu'on demande pardon. Et ça fait une nouvelle relation, ça. Ça assainit la relation, en fait. Et ça permet à la relation de continuer. Vraiment, ça fait du bien à la famille lorsqu'on reconnaît nos torts et lorsqu'on est capable de dire « tu sais, là, je t'ai blessé, là, j'ai mal fait et je te demande pardon ». Et le pardon des enfants aussi envers leurs parents. Parce que demander pardon à ses parents pour ses gaffes, on en a fait tous. Et puis des fois, ok maman, j'étais stressée, j'ai donné des nuits blanches. On peut demander pardon, mais même rendu à l'âge adulte, d'avoir ça, ça nous permet aussi de regarder nos parents dans un autre angle. Je crois qu'il y a beaucoup de gens, en grandissant, vos parents peut-être ont fait des erreurs, mais de dire aussi, je reconnais que mon parent était aussi un adulte. C'était un humain. Il a pris les décisions avec ce qu'il avait comme élément devant lui. C'était aussi quelqu'un qui avait aussi ses propres blessures intérieures. Il m'a eu pendant ce temps-là. Oui, j'étais son enfant, mais lui aussi, il était en développement. Il y a des choses qu'il a fait. Et des fois, nous-mêmes, on se bloque dans notre vie d'adulte parce qu'on a des pardons non relâchés. Ouais. Et de pardonner ses parents, de dire, OK, ils ont fait ce qu'ils pouvaient avec ce qu'ils avaient. Et puis, bon, voilà, je les relâche, mais aussi de nous-mêmes aussi demander pardon lorsqu'on sait qu'on a offensé nos enfants, nos parents, pardon. Ouais. Et il y a des parents comme ça aussi qui vivent avec les offenses de leurs enfants. Oui. Et c'est important de le faire, de ne pas se dire, c'est ma mère, pardon. De toute façon, les parents, ils peuvent en prendre, c'est des parents. Et quand on devient soi-même parent, on pense beaucoup à nos parents et tout à coup, on dit, ah mince, j'ai fait ça à mes parents. Il y a des prises de conscience, en fait, qui viennent et c'est important d'agir sur ces prises de conscience. Vraiment, moi, je me rappelle quand j'avais ma mère, elle était veuve, je l'ai déjà raconté, qu'elle a été veuve très tôt. Et le jour où j'avais son âge, un jour, je réalisais, il y a quelques années, j'avais l'âge de ma mère quand elle était devenue veuve. Je suis comme, oh, waouh, à cet âge-là, elle avait toute cette responsabilité d'avoir les enfants à gérer, un nouveau pays, etc. Et c'est là que tu te dis, mais attends, donc, elle a dû tellement porter un poids, elle a fait ce qu'elle pouvait. C'est fou quand tu te remets dans cette position-là. Mmh. Tu te dis, en fait, des fois, on pense à nos parents comme des personnes très, très loin. Oui. Mais c'est des humains comme c'est nous. C'est clair, c'est clair. Et c'est hyper important. Et le dernier point que je voulais mentionner, c'est le pardon entre frères et sœurs. Parce qu'à l'âge adulte,
la fratrie, des fois, elle s'effrite. Ouais, malheureusement. Elle s'effrite malheureusement à l'âge adulte parce que des fois, quand on est devenu adulte, d'abord, de un, chacun prend son chemin. Mmh. Celui-ci fonde sa famille, celle-là déménage, etc. Mais des fois, il y a des ressentis de l'enfance qui nous suivent à l'âge adulte. Le favoritisme qui a eu lieu, des fois, des perceptions qu'on a eues qu'il y en avait un qui était préféré, qui avait plus de cadeaux, etc. Et donc, ça peut mettre une distance, en fait, une fois à l'âge adulte parce qu'on se regarde l'autre en se disant, mmh. ben lui, il a toujours agi comme ça, ben lui, il était toujours le préféré. Et c'est comme si les pensées qu'on avait quand on était enfant, on les transporte en l'âge adulte, on n'apprend plus à regarder son frère ou sa sœur dans son caractère d'adulte en fait. On le regarde toujours à travers le regard qu'on avait de lui quand il était, quand on était enfant. Et c'est important de se pardonner aussi. Des fois, on a mal agi et tu te dis, bon, c'était des enfantillages, c'était resté en enfance, mais rendu à l'âge adulte, c'est aussi important entre frères et sœurs. Parce que des fois, il y en a un qui va toujours porter, mm-hmm. qui va dire, bon, écoute, c'est bon, ma sœur, elle est toujours comme ça, et puis bon, c'est pas grave. Mais toi, demande pardon à ta sœur. Parce que des fois, tu peux dire, tu sais quoi, là, je t'ai jugé, ou là, je me suis cantonnée sur mon ressenti de quand j'étais enfant, mais maintenant qu'on est adulte, non, je te demande pardon de la façon dont je t'ai traité. Je te demande pardon. C'est vrai que j'ai pris plus de place et c'est vrai que j'ai étouffé, j'ai tout pris dans la famille et j'étais laissé peu. Et vraiment, je veux te demander pardon. Et c'est vraiment important. C'est important de ne pas prendre pour acquis notre famille. Lorsqu'on demande pardon, c'est qu'on montre que je ne te prends pas pour acquis. Je te valorise en fait. Demander pardon, c'est vraiment ça. Et la famille, oui, c'est sûr que dans mes exemples, j'ai parlé des parents, des frères et des sœurs, de la famille au sens biologique. Mais la famille, ça peut être, il y a des amis qui sont la famille. La famille, ça peut être tes amis avec qui vous avez grandi. La famille, ça peut être l'église qui est aussi une famille. Et donc, c'est juste de dire dans le lieu où tu es, dans la structure amicale, le cercle dans lequel tu évolues, si tu sais dans ton cœur que tu as offensé, la Bible dit que tu as ton offrande, tu entends que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande et va voir ton frère, tu sais que tu as mal dit. Des fois, tu sais qu'il y a un froid, il y a quelque chose. Ne reste pas sur ton orgueil, ne reste pas cantonné, tu l'as dit, le temps est court et ce serait trop dommage que demain matin, cette personne n'est plus là et tu pleures de regret, j'aurais dû. Aujourd'hui est le jour où tu te répands, mais aujourd'hui est le jour aussi, tu appelles ton frère, tu appelles ta sœur et tu dis, tu sais quoi, je te demande pardon pour cette chose. Et tu le sais, le Saint-Esprit te l'a déjà montré dans ton cœur, tu sais la chose pour laquelle tu dois te demander pardon. Amen, amen. Il y a vraiment des relations qui doivent être rétablies en fait et ne plus laisser les mois passer, les années passer. C'est vraiment aujourd'hui le jour de la réconciliation dans votre famille. Je pense qu'il y a trop de familles qui se déchirent et ça, si vous ne voulez pas le faire pour vous ni pour l'autre personne, faites-le pour le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est attristé quand un frère et une sœur se déchirent, quand un enfant et sa mère se déchirent. Le Saint-Esprit est attristé par ces choses-là. C'est une personne, il est sensible, ne serait-ce que pour le Saint-Esprit. Faites-le pour ne plus l'attrister. Parce que ce que vous gardez en vous, n'oubliez pas, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Les choses que vous gardez en vous, le Saint-Esprit doit cohabiter avec ces choses et ça l'attriste énormément. Libérez-vous de ce fardeau. Faites ce premier pas. Soyez cette personne rempli d'humilité, qui va oser aller faire, se poser cet acte de pardon, qui va être dur à sortir, mais qui va faire tellement bien une fois relâché. Merci beaucoup Nadine pour cette super rubrique pour les familles. Je crois qu'on n'en parlera jamais assez, ni du pardon, ni de la repentance. On en parlera encore dans les émissions Bonjour chez vous, parce que ce thème est trop trop important. Mmh. Et demain, on va parler d'un autre thème qui est aussi très important. On va parler de l'évangélisation. Et si l'on évangélisait, tout simplement. Et Jérémy Sondril, que vous connaissez bien, va venir faire une rubrique Conseil du coach avec un thème un peu particulier qui s'intitule l'évangélisation pour les nuls, en référence à cette série de livres qui nous apprend les béaba de certaines choses. Donc demain, on va apprendre le béaba de l'évangélisation. Ne manquez pas cette émission. Merci de nous avoir suivis et bonjour chez vous.